La Perle dans les vignes, une bière qui est réalisée à base de moûts de vin alsacien comme le Riesling et le Gewürztraminer. Alors, donc cette bière qui est à base de moûts de raisin alsacien est faite par Christian Hartner, qui a l'habitude de nous surprendre et qui là en fait nous fait encore une fois un magnifique produit, cuivré, une belle mousse, bien blanche, qui nous forme un joli col de mousse et on peut voir de fines bulles qui s'échappent en hauteur. C'est très très joli. On retrouve l'image que l'on avait visuellement, donc cuivrée, par l'entité en fait de l'orge. Voilà, l'orge tout de suite on l'a dans le nez, c'est très céréalier et on a une forte degré alcoolique qui nous vient au nez, mais tout ça en fait est quelque peu caché par la bonne odeur de raisin aussi qui ressort du verre. C'est super. On a tout de suite un aspect liquoreux qui nous vient en bouche. C'est amené notamment par le raisin, mais bien sûr par le céréal, l'orge. Voilà, il y a quelque chose de très grillé aussi. Également, on a un petit goût âpre qui est très intéressant. C'est comme quand on mange du raisin frais. Quand on lèche la peau, il y a toujours ce petit goût âpre qui reste sur la langue. Et bien, on retrouve cette même sensation avec cette bière. Alors, c'est une bière qui ira magnifiquement bien avec des magrets de canard, par exemple, ou en période de fête, avec du foie gras. Également, on peut imaginer ça avec une terrine de queue de bœuf, ce sera formidable.